Salut tout le monde, c'est Extremis et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Minecraft et encore, oui. C'est pas comme Too Many Items, mais c'est Invalid. Donc, comme vous le voyez là sur le bureau, je l'ai déjà. Donc je vais la supprimer exprès pour vous, faire. Hop, hop, et voilà. Donc Invalid, il marche en solo sur toutes les versions. Il ne marche pas en ligne et il marche aussi pour la version craquée, mais pas en ligne. Donc vous allez sur le lien dans la description. Vous atterrissez sur ça et vous cliquez ici. Donc vous l'enregistrez. Voilà. Ouvrir. Je le vais mettre sur le bureau. Hop, hop. Faites extraire ici avec WinRAR. Voilà. Un autre fichier qui s'ouvre, comme vous avez vu avant, deux trucs. Vous l'ouvrez, le tout premier est le fichier le plus grand application. Vous l'ouvrez, et voilà, vous avez Invalid. Après, vous voulez mettre sur le bureau, ça va plus vite et tout. Le seul problème avec Invalid, c'est que vous pouvez pas l'utiliser pendant le jeu par rapport à Too Many Items. Voilà. Ensuite, pour l'utiliser. Eh bien, il faut pas avoir Minecraft ouvert. Et il faut faire un nouveau là. Hop, un tout nouveau. Cliquez ici. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez. Hop, par exemple, gravel. Là, le maximum, ici, 255. Je le marque direct. Hein. Si vous faites 9999, c'est le maximum. Et là, c'est les. Si ça se détruit, vous ne détruisez pas. Mais c'est plutôt pratique pour les outils. Donc, je vais vous montrer avec. Le minerai là en or, donc je vais vous le montrer après. Vous faites moins 9999, voilà. Vous cliquez dessus et voilà. Vous voyez qu'il y a des chiffres qui apparaissent. Alors 255, encore un autre petit truc pour vous montrer. Ouais, c'est pas bon. Je ne sais pas si ça va bien. Après, voilà. Et voilà. Une fois que vous avez choisi vos objets, hein, moi j'ai mis ça pour exemple, cliquez sur la petite disquette, hop, et vous choisissez où l'enregistrer, sur quel monde. Alors justement, ça marche pas en ligne, donc voilà. Donc moi je choisis ici, voilà, Castle. Hop. Oui. Ensuite vous fermez. Vous ouvrez Minecraft. Donc moi je me rappelle j'ai la version payante. Mais ça marche aussi avec la version craquée Invalid. Ensuite, c'est une player, il a enregistré dans le monde où je l'ai testé. Voilà. Qui a un très beau monde en plus. Avec les châteaux comme vous pouvez voir. Et voilà, vous avez les objets. Bon, j'ai tout mon item, donc à mon avis ça doit bugger entre les deux, vu que normalement j'ai mis 255. Mais bon. En tout cas, le truc il est indestructible. Et on va tout de suite tester. Donc, vous pouvez, hop, 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 hop. Vous voyez qu'il n'y a pas la barre verte qui apparaît. Hop, détruit, détruit, détruit. Donc, aussi la petite technique avec Too Many Items. Donc, par exemple, en diamant, vous prenez, ne cliquez pas dessus, appuyez sur Shift, la touche majuscule c'est juste en bas, et en même temps, clic gauche. Clac. Voilà. Et vous l'avez, et là, c'est indestructible. Vous voyez, c'est aussi indestructible avec n'importe quel objet. Sinon, vous avez aussi avec Too Many Items, si vous voulez avoir plus que 64. Par contre, avec Invalid, c'est. On peut le supprimer. Avec Invalid, c'est autre chose. Vous pouvez en avoir 255 avec Invalid. Voilà. J'ai cliqué sur ça. J'en ai 64. Maintenant, Shift plus truc. Plus clic gauche, pardon. Ça fait 111. Voilà. Quand vous ne pouvez pas les additionner. Quand vous prenez, il n'y a pas marqué.
Ben, c'est pas dérangeant. Ils sont très bien utilisables. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Alors, vous pouvez très bien le faire. Facilement. Et un petit bonus. Comment qu'il faire. Bon. À très bientôt. J'espère que ce petit autre logiciel vous servira. Voilà. À très bientôt. À plus. Prenez soin de vous. Ciao. Et regardez mes autres vidéos.